Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc on rentre cette fois-ci dans le bâtiment. Et on va y aller petit à petit. On peut voir un truc de Nuka-Cola, mais j'imagine qu'il est... Ah, il est plein. Cool. Donc il y a un piège ici. Désarmer le piège à ours. Alors ça, non, je suis désolé. Je l'avais. Désarmer le piège à ours. Voilà. Par contre, si c'est traître comme ça tout le long, ça va pas être drôle. Il y avait un fil. Putain, il y avait un fil. Oh. Allez. Hello les gens. Désarmer le piège. Wouhou, level up. Bon, on avait dit qu'on allait augmenter les armes un petit peu. Voilà. Hop. Ici et maintenant. C'est quoi ça ici et maintenant? Oui. Mystérieux étranger, c'est cool. Nyctalope, c'est quoi? Rage de nez, on va mettre le mystérieux étranger. En espérant qu'il se pointera de temps en temps. Rien d'intéressant ici. Ok. Alors je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup plus de pièges. Je vais sortir quand même un pistolet à silencieux. On va bien voir. Désarmer le fusil piégé, on va le... hop. Réparer le mien. C'est donc en haut qu'il faut que j'aille. Pas de fil apparemment. Forcément une mine là-dedans, non? Désamorcer le déclencheur. Fuck you. Petit livre calciné. What? Vous allez voir. Bah alors? Pourquoi je peux pas la toucher? Voilà. Désactivé. Par contre du coup... Ah non, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas plus recherché que ça. Bon bah écoutez, tant mieux. Hop, un petit F5. Peu d'eau sale, ça c'est très facile donc. Parfait, on va y voir dans aide. Ok, c'est cool. Dans le coffre, un coffre fort, très facile. Bon, bah. Hop, excusez-moi, je me gratte à l'œil un petit coup. Cellule énergétique, ça je prends, ça je prends. Pistolet laser, je prends pour la simple et bonne raison que je vais réparer le mien. Ah, zut. Le problème, c'est qu'il faut que je le trouve. Là, voilà. Je trouvais la dernière fois qu'il avait plus beaucoup de précision. Bonjour, tu me regardes ou pas là?
Ok, elle est hyper blindée. T'es gorgé! Pas bouger, tas de viande! Bonjour! Ça, c'était beau! Ça, c'était beau, chers amis. Fusil de chasse, en plus, qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait. C'est de l'eau sale. C'est un établi tout ce qu'il y a de plus classique. Je prends l'eau sale, je prends le steam pack aussi. Il y a plein de choses ici. Ah. Pensez à acheter des épingles à cheveux. Ah, ça veut pas, hein. Du vin et du whisky. Bah non, je prends pas, ça prend trop de place. Armoire à armes. Des fois, je me demande pourquoi je cherche. Difficile, et je vais pas avoir de quoi. Putain, fais chier. Moyen. Ça c'est fait. Alors maintenant je vais aller réparer mon pistolet silencieux. C'est toujours que 5 de dégâts, ce qui est pathétique. Hein. Bon. En tout cas on s'est parfaitement bien occupé de cet endroit. C'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Reconnaissons-le. Hop. Attention aux mines. On voit une là. J'y ai cru à celle-là. Bon. On s'en sort pas trop mal. Voici donc la fameuse Bibili Bili Biliothèque. Des jukebox. C'est marrant ça. J'ai cru voir une grosse bête sur la gauche. Mais bon, ça doit être dans ma tête. Alors. Merci l'ami. Ah zut. Ouvre-toi. Merci l'ami. Alors, réparons à nouveau. Toujours seulement 5 de dégâts. Autrement dit rien. Pas pour rien qu'on appelle ça des armes légères, j'imagine. Enfin bon. Pourquoi pas. Alors, on y va. Halt. Cette zone est sous l'autorité de la confrérie de l'acier. Partez immédiatement. Ouah, du calme, je ne faisais qu'explorer ce secteur. C'est très courageux de se promener sans escorte par ici. Vous cherchez à récupérer des... Je cherche des archives de la bibliothèque. Il semble que nous ayons le même objectif. Il est rare de rencontrer quelqu'un ayant un but louable. Merci. Je suis le scribe senior Yearling, de l'Ordre de la Plume. D'accord. J'ai une proposition à vous faire, si cela vous intéresse. Il y a de l'argent en jeu, j'aime l'argent, genre, beaucoup. Ça m'intéresse, dites-moi plus. Bien. Ma tâche consiste à recueillir les œuvres écrites des ancêtres afin de compléter les archives de la confrérie à la citadelle. D'accord. Si la plupart des livres d'avant-guerre ont été détruits, quelques-uns ont survécu. Mais trouver un livre dans ces ruines est difficile. Tu m'étonnes. Même si j'avais 1 million d'initiés, je ne parviendrais pas à retrouver tous les livres qui n'ont pas été abîmés. Et vous voulez que je vous aide à rassembler des livres, c'est ça? Exactement. Le savoir antérieur vaut bien plus que n'importe quelle arme.
Alors revenez ici avec tous les livres en bon état que vous trouverez. Je vous dédommagerai pour chaque livre que vous m'apporterez. Réfléchissez et revenez quand vous aurez des livres à me proposer. Parfait. J'ai des livres d'avant-guerre pour vous. Excellent. Prenez tous mes livres. Très bien. Voilà votre récompense. Faites-en bon usage et revenez avec d'autres livres quand vous... D'accord, intéressant. Je peux avoir de l'aide pour accéder aux archives ? Non. Là, si. D'accord. Intéressant. Alors. Raté. Voilà, on l'a eu. Parfait. Tout ça se passe plutôt bien. Imprimante de cartes bourrées. Accès aux archives de la bibliothèque. Retard de 201 ans. Imprimante de cartes bourrées. Où est l'imprimante ? Je ne vois pas l'imprimante. Bon, c'est pas grave. Besoin de quelque chose ? What ? Bonjour monsieur, je vous avais pas vu. What ? Tiens, on va aller aux chiottes. Y'a pas un Steam Pack ? Rien ? Ah, si, ça y est. Et chez les dames ? J'ai pas trop envie d'y rentrer, mais bon. Le mythe est brisé, ça y est. Plein à craquer. Tu vas crever, saloperie. D'accord. Mais c'est complètement génial cet endroit. Et je touche. Mais c'est qu'il est solide celui-là. Voilà. C'est génial comme endroit. C'est la guerre même, je dirais. Donc les petits livres d'avant-guerre, on me les reprend sans capsule, ça c'est cool. Ça c'est the bonne nouvelle. Je suis désolé mon pote. T'as pris extrêmement cher. Par contre, ouais, venez retrouver un bouquin là-dedans, quoi. Effectivement, elle avait raison. Par contre, oui, j'ai pris assez cher. Oh la vache, le temps de recharge du boumu machin, quoi. Alors les mecs, qu'est-ce que vous aviez sur vous ? Alors.
Je suis sûr que dans toute la bibliothèque il y a un endroit qui est... Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop les, retour. On aviez des munitions, vous dis donc. Bah, il doit bien y avoir une arme quelque part. Livre d'avant-guerre, cool. Cool, cool, cool. Ok. C'est des casiers d'armes, ça. Oui, voilà. Mon pistolet à silencieux. C'est que tu commences à péter le feu. Enfin, avec 6 points de dégâts, quoi. Même pas réussi à tuer un rat de cafard d'une seule balle. T'es sérieux? Oh, le petit salon de madame. Grand livre de science. Pourquoi pas? Hop là. Bon, bah écoutez, on va retourner voir madame. Et on va mettre fin à l'épisode. Bonjour madame. Bonjour. J'ai un livre pour vous. Vous revoilà. Oh la vache, 100 capsules le bouquin, mais c'est épique. La... Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop, on va faire un petit zoom sur la dame. Un petit zoom sur la dame. Ah là là. Les fonctionnaires. Un bloc-notes, un café, ils sont plus intéressés par le café.